de santé, de toi, et qui nous apporte à tous la réparation chale. Donc, pour pouvoir accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
et à son paradis. C'est un point très très important. Voilà, parce que pour parler de miracle du Coran, il faut d'abord dans un premier temps croire en celui-là. Croire qu'il est la dernière révélation. Et que c'est celui dont il vient dans l'homme subhanahu wa ta'ala et c'était dit pour l'humanité tout entière. Et après, on va donner quelques exemples, pardon, dans le troisième point, des faits qui montrent que le Coran en lui-même est un miracle de Inch'Allah, c'est à la facilité. On va terminer par une conclusion. Au temps de la, au temps de la matière pour Inch'Allah, donc quand la commande à venir Inch'Allah, donc on commande une à la Poussaba. Donc au colo, on est commandé la mine de Mouro, on a eu Coronaka, Corona Tina, tout le monde. Je suis un peu plus grand que moi. Il y a des gens qui ont fait des choses 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 qui Il y a trois mots déjà que nous identifions. Il y a le mot révélation, il y a le mot Coran, et puis il y a le mot miracle. Donc, le premier mot qui est révélation, voilà, qu'on pourrait traduire, qui est traduit de l'arabe par Tanzil, voilà, c'est le fait de dévoiler quelque chose. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que c'est traduit en français. Le fait de dévoiler, de faire connaître quelque chose. Donc, par exemple, un secret. Lorsqu'on dévoile un secret, on dit qu'on a révélé ce secret-là. Mais dans la langue arabe, ce mot-là a une autre signification. C'est-à-dire, quand on parle de tanzil, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui vient d'un endroit qui est élevé vers l'endroit qui est bas. Voilà. Donc, c'est les arabes qui disent un tanzil. C'est quelque chose. Un endroit élevé et un endroit qui est plus bas. Donc on va parler de tanzil du Coran, c'est-à-dire la révélation du Coran. On va dire que ça vient d'un endroit qui est supérieur mais un endroit qui est bas. Donc on va comprendre que parlant de la révélation du Coran, ce Coran-là vient d'un être supérieur mais un être inférieur, Inch'Allah. Maintenant, Je suis un peu plus de temps. Donc ça, c'était le premier mot, à savoir la révélation. Maintenant, le deuxième mot, le Coran. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire le Coran? Donc, ce que les savants ont dit concernant le mot le Coran, vient d'un verbe en arabe qu'on dit Coran, et lire. Maintenant, certains connaissent le mot Iqra. Iqra en arabe, ça veut dire lire. Mais à la fin, on le fait de donner un ordre à quelqu'un. Donc ils disent, ou à Kalea Moutoni, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle connaît Zalou, elle est Mohammed. Donc Kalea Moutoni, donc la parole d'Allah, elle connaît Zalou, elle est Mohammed. C'est cette parole-là qui est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle connaît Zalou et Tilawati. Donc la lecture aussi est une adoration. Donc propre. Premier point. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et cette parole-là est descendue sur le prophète Mohammed. Et après, sa lecture est une adoration.
C'est pourquoi on va comprendre que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous avez un doute au sujet de ce Coran-là, apportez-nous ne serait-ce qu'une sourate. Qu'on propose une sourate ou bien un verset. Voilà, c'était, on s'est demandé, mais c'est facile. Si je comprends l'arabe, je peux faire rapidement une phrase et puis je vais dire que c'est un verset, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, où ça va poser problème? Quand tu vas écrire ta phrase, on va te demander est-ce que c'est une parole qui vient d'Allah à cette heure. Deuxième, est-ce que c'est descendu sur le prophète pour cette expression-là? Et troisième, est-ce qu'en lisant ta parole-là, on peut atteindre Allah avec ça? C'est là-bas que tu seras pris. Donc, alhamdulillah, donc, moi j'ai tout plein à Boyboye pour la campagne et pour la Boukari. Donc, pour la campagne, on va aller pour le Rosana Katasa et Rosama. Donc, pour le Rosana Katasa, pour la Boye, alors on se rend à la Boumakani. Pour la Boye, alors on se rend à la Boumakani. Pourquoi faire? Alors, pour le Rosana, il dit là, même quand on est libéré à l'Islam, on va voir Ali ou Asana. Pour moi, il dit là, il dit là, on va voir Ali ou Asana. Pourquoi faire pour la Boye, poursuivait les enfants d'Israël. Vous voyez, donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, avec les médias de Moussa, a ouvert la mer que voilà, le peuple d'Israël puisse passer. Dans le premier petit exemple qu'on peut donner, toujours pour comprendre le mot miracle, on a la conservation du corps du pharaon jusqu'à présent. Vous voyez, normalement quand quelqu'un décède, si on dépose son corps quelque part ici, dans 1, 2, 3 jours, ça va commencer à se décomposer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il a conservé le corps du pharaon. Pourquoi il a fait cela? Parce que le pharaon, il a tellement traumatisé les enfants d'Israël que lorsque la mère, quand la mère l'a resserré, si son corps avait disparu, les bannis d'Israël, ils allaient penser que le pharaon est parti. Ils allaient avoir peur, ils ont traumatisé. Ça nous arrive. Vous allez voir que quand on était encore plus jeune, quand le président en fait voyait le Sénat, il y a des gens qui ne croyaient pas. Il y a des gens qui pensaient que voilà, il est encore là, il ne peut pas mourir. Donc, le pharaon, c'était encore plus grand. Voilà. Donc s'il disparaissait, voilà, ça allait créer vraiment un traumatisme. Parce que lui-même s'est mis à la place de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu a préservé son corps pour qu'il puisse le voir. Voilà, pour qu'il sache que c'est un prodige. Voilà, quand là, c'est lui le Dieu et non Pharaon. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On peut le dire. Lorsque
il est né, il a parlé au berceau. Vous voyez? Parce que lorsque sa mère, Maria Marie, est arrivée avec lui, les gens étaient étonnés. Mais comment tu peux venir avec un enfant alors qu'on n'a pas connu tes parents comme des gens qui n'étaient pas des gens pieux? Voilà. Donc, le Coran nous dit, à Charlotte, il est né. Donc elle a fait un signe comme ça, vers le berceau. Maintenant, ils m'ont dit, comment est-ce que nous on peut parler à un enfant qui est dans le berceau? Et lorsqu'on a entendu la réception, a permis à Isa al-Salam de parler depuis le berceau pour pouvoir certifier ce que sa mère, Maryam al-Salam, avait dit. Donc ici, on a deux miracles. Le premier, c'est que l'aîné d'une mère sans un père, et il a parlé au berceau. Parce que quand un enfant naît, on sait à partir de quel moment il parle. Voilà, mais si tout de suite là, on vient avec un bébé ici, et puis le bébé là commence à parler, tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir de la mosquée. Voilà. Donc, le dernier exemple qu'on peut donner ici, c'est au niveau du Prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Le Prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, il a fait beaucoup de miracles. Mais son plus grand miracle, comme on va le voir tout à l'heure là, c'est le Coran lui-même. Et un exemple qu'on peut donner, c'est à la bataille de Badr, où un des compagnons dénommé Qatada, son œil est sorti. Son œil est sorti pendant cette bataille-là. Et le professeur a béni son œil sans une intervention. Vous voyez? Donc ça, ce sont des exemples qui montrent que ça, c'est pas un homme qui peut faire cela. Parce que si, ça étonne tout le monde et on sait que derrière, il y a une force plus puissante qui arrive à faire cela. Alhamdulillah, donc maintenant pour nous donner la parole à Isa al-Salam, donc Bangela, Vladimir Kalama, Armane Hakidoum, Mimi Pang, Armane Mimi Pangi, Fa, Anipa. Isa al-Salam, Allah soit la guerre, Kabana Boumoué, Ali Bangela, Padron Lila, mais Fatala. Donc, la femme de Madame al-Salam, donc Isa Bangso, mais à Pamalon. Donc, la Kabana Boufoula, Isa Takwana Boula. Donc, à partir de là, on va aborder notre deuxième point, qui est le fait d'avoir la certitude et la conviction que le Coran est la dernière révélation et le guide de l'humanité. Voilà. Parce que même c'est ça même qui est le miracle du prophète de la conversion, c'est le Coran. Donc, ici, ce point-là, on va lui aussi le scinder en trois petits points. Donc, le premier point, pour pouvoir bien comprendre cela, c'est d'avoir la certitude et la conviction que l'islam est la dernière religion. Et c'est elle qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Inna dina indallahi al-islam ». Il dit, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Vous allez voir que ici, je dis « Inna dina indallahi ». Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que la religion auprès des gens. Parce que la religion, c'est Dieu qui met son cachet dessus. C'est Dieu qui valide la religion. Quelqu'un comme ça ne peut pas se lever pour imaginer une adoration et puis l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, même nous-mêmes, vous allez voir des moments là comme ça. Et puis un enfant vient s'arrêter devant lui, sans s'adresser pour lui parler. Nous-mêmes, les vieux vont dire non, assez bon pour me parler. Parce qu'il y a la manière
de parler aux vieux, de la manière de parler aux personnes âgées. Et alors, comment est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça pour dire non, moi j'ai imaginé une adoration et puis venir présenter ça à la sonorateur. C'est pas la dit, il l'a dit dans le nom à l'islam. Donc si toi, aujourd'hui, tu fabriques une religion, tu dis que tu es un prophète, voilà, donc il faut être sûr que Allah, il va mettre son cachet dessus. Alors qu'Allah a dit que la religion c'est l'islam, et c'est le bon sens qui est venu avec cet islam de l'échange. Alhamdulillah, on n'a pas mis dans son côté, on n'a pas mis dans parce que nous avons le Coran, 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 nous voilà, à partir de maintenant, nous devons être vraiment fiers parce que c'est notre religion que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère a dit, c'est sur notre religion qui a mis le cachet. Voilà, donc au contraire, on doit avoir pitié, c'est pas comment je pense, vous voyez, parce que derrière, Allah subhanahu wa ta'ala doit le valider. Je vais donner l'exemple. Avant qu'on ne parle des réseaux sociaux, parler de payer par orange, des factures de CIE, on partait payer des factures de CIE. Donc les règles qui ont été éduquées par Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est pourquoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dit celui qui va venir au jour de la résurrection avec une religion autre que l'islam, hein, cela ne sera pas accepté de lui. Et puis il sera parmi, il sera dans. Donc, je suis là pour ni dina bare ministre ma dikeli ali Allah subhanahu wa ta'ala ni ple abena ko de la il faut cela na ko koy ko tangata en ce que bon mo ala mo dara donc alhamdoulillah après le fait qu'on ait eu la certitude et la conviction que l'islam est la dernière religion qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant le deuxième point de ce grand point là, c'est d'avoir la conviction et la certitude que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a beaucoup de musulmans comme nous, voilà, qui doutent encore que est-ce que même le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate de Sakida, il dit dans le livre du Tadi, la Raïdabi qui est rendu à la vie. Il dit la révélation du livre, sans aucun doute, vient du Seigneur de l'univers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai pas douté. Voilà, que le Coran vient de lui. Donc, il dit, il a ajouté la royauté divine de l'envie de la vie. Donc, ce musulman doit savoir que le Coran qu'il a en main est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, parce que, comme on l'a dit, pour comprendre que le Coran est un miracle, on a dit que le miracle, ce n'est pas une intervention humaine, c'est une intervention divine. Donc, comprendre que le Coran est un miracle, il faut d'abord comprendre même que le Coran nous vient de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, encore, je n'ai pas de problème à propos de la matinée de l'éclair, de la plage de la Coran, de la plage de la matinée de la matinée, pendant la Jiménia. Pourquoi faire quatre minutes quand beaucoup prennent aller à l'os mandala pour manger yere. Ça vous fait tellement sur le stomac de votre panier pour un prendre pour manger au mandala pour se faire c'est la bourma. Toi les prendre pour manger deux bébés toi t'as quatre deux. Tu vois nous beaucoup de la bourma prendre pour manger. Après la halle de l'euro à la fin pour manger pour un canal pour un canal qui n'a pas de mouvement.
Le troisième point, c'est la conviction et la certitude qu'on doit avoir, dans ce sens que le Coran est la solution à tous les problèmes des hommes sur la terre. Et que notre succès dans cette vie-là dépend de la compréhension du Coran et de la mise en pratique de ses recommandations. Là, on va s'arrêter un peu. Vous voyez ? Donc on a dit, c'est d'avoir la certitude et la conviction que le succès de l'humanité repose sur la compréhension et la mise en pratique des recommandations du Coran et ce, dans tous les domaines. Parce que comme notre stade a dit tout à l'heure, nous les musulmans, comme la France a dit, il dit, à partir de nous, on a déjà dit, Donc on prend une partie de nos allonges et puis on délaisse une autre partie qui ne nous arrange pas. Voilà, mais on doit comprendre que la solution à tous nos problèmes, c'est le Coran. Vous voyez que nous souffrons aujourd'hui sur la terre, c'est-à-dire qu'on s'est dit que nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais il y a des problèmes que nous avons que lui ne peut pas résoudre. Vous voyez, donc on commence à chercher des solutions un peu partout. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Personne ne détient cela sauf lui. Vous voyez, nous aujourd'hui on a pris des raccourcis parce qu'on s'est dit que il y a des problèmes là. Que ce soit un problème au travail. Bon, est-ce que Dieu, moi je travaille au plateau, est-ce que Dieu peut intervenir? Est-ce qu'il comprend les choses des administrations? Donc il y a la religion à côté, et puis il y a ce que nous on fait. Mais ce qu'on va dire, par exemple, pour quelqu'un qui a une voiture, il y a beaucoup de personnes qui ont une voiture. Si on envoie celui qui a construit le concepteur de la voiture, si on vient avec lui, et puis ton mécanicien qui t'arrange à dépanner ta voiture de temps à autre, qui des deux est-ce que tu vas épouser? Parlant de ta voiture, c'est qui tu vas épouser? C'est le concepteur ou bien c'est ton mécanicien qui te dépanne tous les jours? C'est parce qu'on n'a pas, pas la possibilité d'avoir le concepteur à côté de nous. On se démène avec, comment on appelle ça, des mécaniciens. Et si on avait la possibilité, ça aurait été le constructeur même de la voiture, qu'on allait se trouver. Donc, on n'est pas en train de dire de ne pas avoir, comment on appelle ça, de petits mécaniciens pour nous dépanner, mais on doit savoir qu'il y a le concepteur même qui est là. Donc, si par exemple tu as une voiture ou une machine, tu as la notice en main. Donc, à chaque fois, si le mécanicien, lui, veut faire un dépannage dans ta voiture ou dans ta machine, tu vas regarder. Ah, qu'est-ce que le constructeur dit ici? Est-ce que ici, là, c'est l'eau en main ou bien c'est une en main? Du constructeur, il dit ici, là, on met l'eau. Quand tu vas dire ça, le mécanicien va voir qu'il a en face de lui quelqu'un qui connaît. Vous voyez? Nous, on va chercher des solutions à, comment on appelle ça, ailleurs. Donc, quand on nous dit de mettre du sel ou il faut mettre du sucre, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas, de référence. Mais ça va être dit qu'il y a un corona qui donc, après la solution pour la génie, il y a un corona qui est allé. Après, la donne dit, après, c'est la brume, on ne peut pas nous faire. Nous, à Tiana, il y a un peu de temps. Mais nous, il y a un peu de temps dans mon cas, dans la tête de la tête, dans le temps pour le quai. Dans le temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Donc, là, il y a un peu de temps pour le quai. Quand on a dit que
mon mari là, avec mon papier, la mon papier flair, mon truc à tourner là, si quand à tourner, les gars à tourner sur la baraque. Mais, il est comme mon sang, mon papier du bureau, à l'ambassade du bureau, nous mettons un effort, tout le monde est là, comme vous dites, quand à taille, il est comme une personne là, on y aura, n'est qu'à papier, mon papier du bureau, il y aura un tour le gang à tourner. Mais quand c'est bien à l'eau, à propos à la moitié, il y a un mot de l'eau. La misère est comme cela. La même catina, il y a un corona, un corona, un corona, un corona, un corona. À la moitié, c'est qu'à Abada. Au bout d'un certain mois, il y a des misères. On a un problème sur l'eau. En mettant un peu de maman, il y a un petit double corona pendant que je vois que c'est qu'à Pitam. La campagne est là. Donc, on va aborder la troisième point. De notre cousin Inch'Allah. Allez, Aïssa, voilà, à quand on a dit la photo. Moi, je veux le bécaire. Prenez le bécaire, prenez le bécaire. Babso, aïe, Aïssa, voilà, quand on a dit la photo. Aïssa, voilà, quand on a dit la photo. Peu peu peu, allez, nous, on t'aime, vous en avez la photo de l'air. Aïssa, voilà, venez. Donc, après, on a dit, on va aborder notre troisième propos. C'est le courant. Voilà. Et on ne doit pas avoir le doute dessus, parce que comme on l'a dit, on doit avoir la conviction et la foi que le courant vient de l'ange. Donc le premier point, que nous allons dire maintenant là, ça veut dire que nous-mêmes, on va analyser. Est-ce que c'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? Mais quand on va dire. Nous-mêmes, on va regarder avec notre intelligence. Est-ce que, parce qu'il y a tellement de miracles du Coran, si on veut s'asseoir ici, de parler de tout ça, on va faire plaisir. Mais on va donner quelques points, et puis nous-mêmes, ensemble, on va analyser est-ce que c'est un miracle ou bien c'est pas un miracle. Le premier point, c'est que le Coran a été transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est décrit dans le Coran. Comme quelqu'un qui est illettré, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Il a lu, n'a ni lu un livre, ni écrit un livre de sa mère. Donc là, c'est mon mental qui le dit. Vous voyez, il dit que avant cette révélation, il n'a lu aucun livre, il n'a pas aussi écrit quelque chose de ta mère. Donc, un Nabi, un Omni, vous allez voir ici, le prophète illettré. Ici, là, c'est mal traduit en français. Al-Omin. Parce que le prophète sallam, avant la révélation, il y a des choses qu'il connaissait. Mais il y a des savants qui sont allés plus loin. Ils vont dire le premier enseignant du prophète sallam, c'était Allah lui-même. Donc Allah a la Shahada Kaskotra. Donc Allah a préparé son organisme de tel que le premier, Dieu, la première personne qu'allait l'enseigner, la personne qu'allait rester dans son cerveau là, c'est le meilleur problème. Pour ne pas que les gens qui relient la parole d'Allah disent que. Ah, ça là, c'est parce qu'il a étudié, qu'il a fait sortir ce courant. Il n'est pas allé à l'école, il n'a pas écrit un livre. Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui était dans un campement très loin, il n'est pas allé à l'école, il n'a jamais côtoyé le médecin. Et puis, il vient comme ça, il dit non, lui, il a écrit un livre, voilà, il désire la médecine. Et il a fait sortir son livre à 10 heures. Quand il donne jusqu'à 11h, que les gens déchirent. Parce qu'il n'est pas là l'école. Quand les spécialistes vont se réunir, je n'avais pas fait une minute. Ils vont montrer plus de millions, millions d'erreurs dans son livre. Et le Coran a été révélé, ça fait un siècle. Vous voyez, la personne n'a pu trouver une erreur du Coran qui vient de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Tu ne vas pas comprendre que le Coran est un miracle lorsque tu apprends la langue arabe, tu manques de ça. Quand tu lis le Coran, toi-même, tu es étonné. Tu sais que derrière ça, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école qui peut reproduire ce livre dans le champ. Par exemple, là, donc, nous n'avons pas de langue à propos du Coran, nous avons encore fait Inch'Allah, Mindillah, Arakala, Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand on a mis cela, c'est une dame qui a mis cela, elle a mis la peine en crier, comme on a dit, on a mis la peine en crier, comme on a mis la peine en crier, comme on a mis la peine en crier.